Alors, on arrive tout juste de notre première visite au Costco Entreprise, le premier Costco Entreprise qui est ouvert au Québec, à Saint-Hubert, à l'emplacement de l'ancien Costco normal qui avait déménagé à Saint-Bruno. Bien, j'étais curieuse. Je voulais aller faire un tour, voir si ce serait des quantités puis des choses intéressantes pour nous. Et puis, je suis ravie de ma visite! Let's go! Et aussi, cette espèce de mélange. Ah! Aussi ça. Ah, ça a l'air bon. Fromage. Ça, parce que c'est des bonnes Martins. Ça. C'est ta grand-maman. Et ça, ça a l'air délicieux. En dessous, il y a de la bonne pizza. Oh, c'est vrai, il y a des super bons pamplemousses ici. Et des pommes et des fruits. Bon, tout d'abord, quand on est arrivé là-bas, il y avait vraiment pas beaucoup de gens. Vraiment, on est allé un samedi midi, puis il y avait vraiment moins de gens que dans un Costco normal. Ça faisait pas la file dehors, ça faisait pas la file aux caisses, on fonçait pas dans personne dans les allées. Donc ça, c'était super agréable. C'est sûr qu'ils vendaient des grosses quantités pour plusieurs choses, mais pas pour tout. Il y avait beaucoup de produits qu'il y a au Costco normal qui vendaient là-bas, beaucoup plus que je pensais. Les produits dans les congélateurs étaient comme dans des petits congélateurs, mais les produits réfrigérés étaient dans un géant frigo là, dans lequel on rentrait. Puis donc, toute la viande, les fromages, le lait, puis tout ça, c'était... On a marché pendant 10-15 minutes dans le frigo, là, fait que... Il faisait froid. Il y avait un gros baril d'huile d'olive, je pense que c'était à peu près 900 $, un gros baril sol haut d'huile d'olive extra vierge. T'as pas envie, le truc? Ben oui, c'est pas grave. Je pense qu'il faut juste avoir le temps de le consommer puis pas le gaspiller, tu sais. Ça prend toujours une récompense quand on fait l'épicerie. Puis là, Jeanne est venue avec nous, on n'avait pas les autres, fait que on a de la place pour ranger le stock plus. Alors nous, on s'est pris ça puis on l'a mangé, hein? Puis on l'a mangé sur place parce que maman devait se reposer un petit peu. Et puis, on s'est aussi un peu délecté. Mais là, faut pas manger ça. Ben non, on va prendre le dîner, voyons donc. On va pas manger là. Bébé devrait naître dans 3 semaines environ. Donc, on a une boîte de couches grandeur 1, une boîte de couches grandeur 5, des lingettes humides. Mais regardez les beaux légumes, là. La courge spaghetti, c'est pareil comme au Costco normal. Mais la caisse de poivrons, c'était vraiment pas cher. La boîte de champignons aussi. Toute la caisse de concombres en dessous, là, il y en a plus qu'une rangée, là. Et puis, regardez-moi ça! J'aime vraiment, vraiment beaucoup le zucchini, là. Regardez comment c'est beau, là, tout ce zucchini-là. La plupart de mes enfants aiment beaucoup ça, des zucchinis revenus dans la poêle avec des œufs pour déjeuner ou pour dîner. Alors là, on va en avoir pour plusieurs repas. C'est vraiment, vraiment chouette. Bon, les céleris, les carottes, la laitue romaine, c'est pareil comme au Costco régulier. Cette grosse boîte-là, ce sont toutes des fusillis. Il faudrait l'ouvrir, hein? Va chercher un couteau. OK. Fait que là, c'est sûr que d'habitude, on achète peut-être de 2 ou 3 sortes de pâtes. Puis là, on a pris juste des fusillis, mais c'est ça. On aura des fusillis pour ce mois-ci. Même chose pour les légumes. On a peut-être pris une moins grande variété, mais il y a une grande quantité de ceux qu'on a pris. On a des légumes congelés aussi, hein? D'habitude, c'est dans des sacs. Là, c'est dans des caisses. On a une caisse de brocolis, une caisse d'épinards. Non, j'ai pas beaucoup de légumes. Il y a une caisse de fruits mélangés, congelés, des petites baies. Au-dessus, c'est des poitrines de poulet. Ça, c'est des longes de porc, de la viande hachée. C'est gros, ça, peut-être. De la saucisse, de la rosette de lion, du saumon, un peu de saumon. Donc, des baguettes puis les pizzas, là, ça, c'est pour mon accouchement parce que bébé va bientôt arriver puis il va falloir que quelqu'un d'autre que moi soit capable de faire de la bouffe. Il y a des affaires, là, qu'on a achetées
des plus grandes quantités pour ma belle-mère parce que elle va nous aider à vendre des affaires pour un marché de Noël pour notre coop d'école maison. Donc, il y a une partie de la farine, de la cassonade, de l'avoine qui sont pour elle. Puis les dattes! Hey, regardez comment c'est formidable, ça, là! Ces caisses de 10 kilos de dattes étaient seulement 20 $. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon prix. Et puis ça, c'est des œufs. Ah bon? Nous, on mange beaucoup d'œufs. Ici, on mange souvent des œufs pour déjeuner. Puis si on n'en a pas mangé au déjeuner, on en mange au dîner des fois. Alors, on en a 15 douzaines. D'habitude, quand on va au Costco... Nous, on fait le Costco généralement une fois par 6 semaines, souvent. Entre chaque Costco, on fait une épicerie en ligne. Généralement, j'achète 100, 120 œufs à peu près en boîte de 30. Mais là, ça, c'est 180, mais je pense qu'il n'y a pas de problème parce que les dernières fois, on en a manqué. On a fini tous nos œufs avant la prochaine fois qu'on faisait l'épicerie, fait que je pense que ça va être excellent, ça. Il y avait d'autres produits vraiment chouettes, là, comme... Comme ça! comme les grosses cannes, en plus, qui étaient en spécial, là, de poivrons rôtis. La grosse choucroute. On aime bien les betteraves aussi, puis là, quand, d'habitude, je les cuis, puis tout ça, mais une fois, là, que j'aurais juste envie de manger des betteraves sans faire beaucoup de travail, là, ça, c'était vraiment pas cher aussi. Des olives. Ce kéfir-là, il l'a au Costco normal. D'habitude, j'en prends deux, mais là, j'avais peur de manquer d'espace dans le frigo. Je fais des smoothies aux enfants avec. Et puis, ça, c'est du yogourt grec nature. J'aime vraiment beaucoup ça, moi, le yogourt grec. C'était vraiment un meilleur prix que... D'habitude, j'achète les trois paquets, les trois récipients, là, Kirkland, dans un emballage, mais ça, c'est un meilleur prix. Ce sac de graines de tournesol, OK, c'est un sac de 2 kilos. Souvent, ils sont comme rôtis dans des huiles que j'aime pas beaucoup, mais là, il y a un seul ingrédients, c'est des graines de citrouille. Il n'y a même pas d'huile ajoutée. On mange beaucoup de graines de citrouille parce qu'un de mes fils est allergique à toutes les noix. Donc, on le met dans le granola, dans du pain, sur du yogourt. Fait qu'on en mange une grande quantité. Puis là, d'habitude, je pense que le sac qu'on achète est comme 1 kilo. Puis là, celui-là était 2 kilos pour vraiment un bon prix. Donc, on en a acheté 4 sacs. 4 sacs! Mais c'est sûr que... J'ai déjà de la nourriture là dans mon garde-manger, dans mes deux frigos, dans mes deux congélateurs. D'ailleurs, si j'avais eu un petit peu plus d'espace dans mes frigos et congélateurs, il y a d'autres choses que j'aurais pris. Comme là, on a décidé de prendre des grandes quantités de poivrons, concombres, champignons et zucchini, mais il y en a d'autres qui me tentaient, là. Il y avait un gros sac avec, je sais pas, 10 ou 12 choux, des beaux gros choux verts. Vraiment, vraiment pas cher. Puis j'aime beaucoup ça, le chou. Mais là, j'en avais déjà quelques-uns dans le frigo que j'ai récolté de mon potager. Donc là, on était bon. Puis la prochaine fois, je vais prendre un gros sac de plein de choux, c'est sûr. Le total était de 1300 quelques. Là-dessus, il y avait 150 $ environ de choses qui partent chez ma belle-mère. Il y a des choses qu'on a vraiment pour un bout de temps, mais c'est sûr qu'on refait ni l'épicerie, ni le Costco avant mon accouchement, là. Alors, c'est ça, c'est qu'est-ce qui conclut cet épisode sur le Costco entreprise. Ça peut être Costco famille nombreuse aussi. Il y a des choses que j'étais pas sûre qu'il y aurait là-bas, mais qu'il y avait, qu'on était très contents. Et franchement, il y a pas grand-chose que j'aurais voulu et qui manquait. On va probablement encore aller au Costco régulier de temps en temps pour certains produits. Mais ça risque d'être maintenant notre épicerie favorite. Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et peut-être que le prochain épisode sera sur l'arrivée de bébé. Ben voilà, à bientôt!